je viens vous revoir aujourd'hui parce que je vais vous montrer un petit book haul. Voilà. Je devais aller demain chercher de la litière pour mon chat hein, dans la zone où il y a les Cultura, les Zekash, etc. Et puis là, j'étais déjà à court. Alors, ça aurait pu attendre demain, je pense, mais comme aujourd'hui, je ne travaille pas, demain, je me suis dit, en sortant du boulot, peut-être que j'aurai la flemme. Autant y aller aujourd'hui. Donc, litière pour mon chat, ça c'est fait. Je suis passée, donc, de toute façon, je devais aller chez Cultura ce week-end, enfin, demain pour le coup, parce que bah, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'y allais pour ça, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. Hein, il y a le 1 qui était sorti il n'y a pas longtemps et j'ai même pas lu le 1. Regardez-moi cette couverture. Je suis fan. Donc voilà, tout simplement, les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Le tome 2, il est sorti. Magnifique. J'y allais pour ça. Ensuite, ça aussi, je l'avais mis sur ma wishlist. Ça me semblait bien. Si je ne serais pas tombée dessus, je ne l'aurais pas pris. J'y pensais même plus. Je suis tombée dessus, donc bon, allez. C'est un petit poche, donc c'est Helios Shining in the Dark. Couverture aussi, je trouve magnifique. Et en fait, ce sont des recueils de nouvelles horrifiques. Voilà, alors dedans, excusez-moi du peu, il y a Stephen King, hein, il y a Jack Ketchum, voilà, entre autres. Il y a Clive Barker, enfin, que des maîtres de l'horreur, donc. Je ne pourrais pas passer à côté, surtout en poche. On va pas se refuser le truc, quoi. Et puis, j'ai pris dernièrement le petit poche d'Alexis Lipsker. Donc, Le Mangeur d'âme, son deuxième roman. J'avais lu Et avec votre esprit. Pas facile, ce titre. Hein. Le tome 1, j'avais bien aimé. Le Mangeur d'âme, il paraît qu'il est encore meilleur. Et son dernier, donc c'est en attendant de lire son... J'achèterai en poche. Hein. Son dernier, Les poupées, est encore meilleur. Donc Alexis, il y va, hein. Donc ça m'intriguait, oui, j'ai acheté. Je pense que si j'aime bien celui-là, je pense que j'irai tous les Alexis Lipsker. Donc voilà, hein. Donc c'est dans le mode thriller. Voilà, ça c'était pour Cultura. Et puis je me suis dit, je vais aller chez Easy Cash. Faut que je me calme. Faut que je me calme pour acheter des livres. Ça fait 6 mois que je vous dis ça, mais... Mais voilà. Mais voilà. Les livres, je les lis. Et ce que je ne faisais pas avant, c'est dès que je les ai lus, à la fin du mois, après avoir fait mon bilan en vidéo, je balourde la moitié des livres. Parce que j'en garde. Franchement, je trie. Je garde vraiment ceux que je suis susceptible de relire. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, même ceux que j'ai beaucoup aimés, je les redonne si je ne les relirais pas. Voilà. Donc. En fait, ça rentre, mais ça ressort. Et je veux tous les lire. Hein. Ce n'est pas des caprices, des coups de tête. Donc là, Izika, j'ai pris 3 livres. Alors, celui-là, c'est pour ma mère. Hein. Elle aime bien cette série. Les Sophie Kinsella à la cour du shopping. À la rescousse, elle ne l'avait pas. Donc, c'est très bien. Celui-là, je le voulais depuis longtemps. Et quand je l'ai vu, je me suis... Oh là là. En plus, c'était derrière des livres. Derrière des livres, en fait, ils ont un rayon. Et devant, il y a des livres posés. Et j'ai... Voilà. J'ai pris les livres devant et j'ai vu ce livre. Je ne sais pas ce que ça donne, mais voilà, il m'intrigue. Il était sur ma wishlist depuis longtemps. Donc, Miniaturiste de Jesse Burton. Donc, dites-moi si vous l'avez lu. Il m'intrigue fortement ce truc. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. S'inspirant d'une maison de poupées exposée à Amsterdam, Jesse Burton livre ici un premier roman. En plus, c'est un premier roman haletant et dessine le portrait d'une femme résolument, je ne sais pas quoi. Parce que derrière, il y a l'étiquette et il se cache. Il fait quand même 500 pages. Il m'attirait. C'est du contemporain, hein, c'est du contemporain, mais voilà. Donc, et puis là, j'ai pris ce livre. Il était chez Zika depuis longtemps. Il était à 10 euros, 12, après 10, après 9. Et là, il était à 5 euros en grand format. J'ai dit, bon, allez, je le prends. Peut-être que j'aurais attendu. Il aurait été, après, il aurait descendu, mais je le prends pour 5 euros. Je l'ai pris sous les conseils. J'avais vu la vidéo de Chronique Livresque qui a eu, je crois, un coup de cœur pour ce livre. Donc, c'est Traverser la nuit de Hervé Lecor. Voilà, on est dans du thriller, du roman noir. Voilà, roman noir français contemporain.
Alors, dites-moi si vous avez lu un de ces livres. Je serais curieuse d'avoir votre avis sans me spoiler, puisque je ne les ai pas encore lus. Hein. Ce n'est pas un bilan lecture. Et puis, oui, je suis passée à Noz aussi pour acheter des petits gâteaux que j'aime là-bas. Il y en avait, donc c'est parfait. Donc, j'ai fait un tour. Alors, au niveau livre, en ce moment, ça fait 6 mois que Noz, en tout cas, dans le mien, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Voilà. Mais en DVD, ils ont. Voilà, j'adorais cette série. J'ai adoré cette série Skins, en fait. Et là, c'est le 7. C'est-à-dire que j'ai bien aimé la première, la deuxième saison. La troisième a été pourrie. Et là, en fait, dans la 7, on retrouve. Donc, ça parle d'adolescents, de junkies, hein, en Angleterre. Et là, dans la saison 7, on retrouve trois personnages phares de la saison 2 et 1, mélangés. Voilà, ceux-là, c'était de la saison 2 et elle, c'était de la saison 1. Et en plus, c'est mes trois personnages préférés. Et ils ont fait une saison 7 avec eux quand ils sont plus grands, quand ils ont un métier, etc. On voit leur vie, voilà, tout simplement. Donc, voilà, trois personnages emblématiques. Effie, Cassie et Cook. Voilà. Donc, et j'avais bien aimé aussi cette ultime saison, comme ils l'appellent. Donc, c'était parfait. J'aimerais bien la saison 1 et 2 en DVD. Ça serait pas mal, hein, de Skins, parce que c'est vraiment une série que j'avais adorée. Elle date de, je sais pas, une dizaine d'années, hein. Un peu plus de 10 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Hello, j'ai enfin terminé. Voilà, je vous avais déjà parlé du tome 1. J'ai fini le tome 2, donc la duologie de Serge Brussolo, Hanouna, l'embaumeuse. Je crois qu'il est cette duologie est au-dessus de tout parce que déjà inqualifiable. Je vous avais parlé du tome 1 dans le vlog précédent, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Sinon, je ferai un bilan lecture comme à chaque fin de mois, donc j'en reparlerai bien. Mais dans les bilans, je ferai un petit classement. Voilà, un petit classement, un top de la moins bonne lecture aux meilleures lectures. Parce que vu que je fais déjà des bilans de lecture en vlog, en refaire un classique à la fin du mois, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, pour pimenter le truc, j'en ferai un petit classement. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Là, j'ai lu le tome 2. Mais voilà, cette lecture est inqualifiable. Je vous disais pour le tome 1, je vous disais que la terreur était palpable. Hanouna, cette jeune nomade égyptienne, vit des trucs de fou. Hein, vraiment, elle est tombée dans des guet-apens de fou, que ce soit dans le 1 ou le 2. On est dans la mythologie égyptienne, mais vraiment côté sombre. Voilà, tous les personnages hein, sont tarés. Bon, c'est du Brussolo en même temps. Mais quand je dis que c'est inqualifiable, c'est tellement. Alors, c'est dur, c'est violent, il y a des scènes gore, il y a un suspense insoutenable. On est vraiment, je disais, une terreur palpable. Mais je ne sais même. C'est de l'historique, oui. C'est un thriller, ce sont des thrillers, oui. Ben voilà. On ne sait pas trop dans quelle branche se situer. On suit juste les aventures, plutôt les mésaventures de cette Hanouna, cette jeune fille de 16 ans, qui fait la rencontre, qui autour d'elle gravite des personnages, mais plus malsains les uns que les autres. Coup de cœur pour cette duologie de Brussolo. Voilà. Lecture. Mais Brussolo nous emmène dans des contrées, des histoires de fous. Voilà, à chaque fois. Bon, pour faire un petit point, je suis toujours dans les visages de Jesse Killerman. Il faut que je le termine. Je vais vous montrer mes prochaines lectures que j'ai envie de lire. Là, il y en a certaines que j'ai sorties de ma palle. Bien sûr, c'est pas exhaustif parce que moi, voilà. Il risque d'en changer en cours de route ou voilà, hein, on ne sait pas. Hein. C'est juste en prévision pour vous montrer des livres. Donc, je m'apprête, je vous l'avais déjà dit dans des vlogs antérieurs, à lire le tome 2 du Silmarillion quand même. Voilà. J'ai sorti La Corruptrice de Guy Descartes. Ça me tente. Je vais dire ça me hante, ça me tente.
J'ai sorti le tombeau des Lucioles, enfin la tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki que j'ai eu acheté récemment. Voilà. Je l'ai sorti parce qu'il est pas long. Enfin, je l'aurais lu, mais je l'ai sorti maintenant parce qu'il est pas long. Je me suis dit, ça mange pas de pain. Et puis, j'ai peur quand même parce que l'anime était chaud. Émotion, c'était un peu là pour moi. Ma mère m'a passé celui-ci qu'elle a beaucoup aimé. Je l'ai laissé sortir. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais il est là. Je l'ai pas encore rangé. On verra. Donc, ce sont les Victorieuses de Laetitia Colombani, celle qui a écrit donc La Tresse. Dites-moi si vous avez lu ce livre. C'est tiré d'une histoire vraie apparemment. Et c'est pas long, il fait 200 pages. Alors je me suis dit, on est en février, j'ai même pas sorti de romance. C'est abusé. J'en ai pourtant. C'est nul. Donc j'ai sorti un petit, vous savez, j'avais commencé le tome 1 l'année dernière. C'est sympa, là. Bon, le février, ça finit demain. Je pourrais peut-être le lire. Je pourrais peut-être le finir pour demain. Je commence aujourd'hui, le terminer demain. Donc, c'est la série internationale Gaïa d'Audrey Carlan. Là, donc, le 2. Le 1, on était à Paris. Là, le 2, on est à New York. Et puis, j'ai sorti aussi un petit thriller. Parce qu'il faut. Maintenant, je vide. Hein, comme j'ai beaucoup de livres dans ma palle. À la fin de chaque mois, à la fin de, après chaque bilan du mois, je vide. Bah je trie hein, mes livres, ceux que je garde, ceux que je ne garde pas, et j'en vire au moins la moitié. Hein. Je fais vraiment un tri forcé. Enfin, forcé, vraiment. Comment dire? Pas absolu aussi. Un tri vraiment de niveau élevé, on va dire. Enfin, bref, je trouve pas le mot. Vraiment, je garde que les lectures que j'ai aimées. Au plus haut point. Et là, j'ai beaucoup de thrillers dans ma palle, donc faut que je pioche dedans, hein, parce que je suis sûre que je ne garderai pas tout. Je suis certaine que j'aurai pas des coups de cœur sur tous mes thrillers. Bon, et j'ai sorti celui-ci. J'ai eu envie, voilà, j'ai eu envie. Tremblement de Joël Kahneman. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. En plus, on va être un peu dans la lignée du John Grisham, puisque on est dans le truc des avocats et tout ça, il me semble. Je sais pas. On verra. Un petit thriller. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Enfin, qui ça, je suis dans un thriller. Mais c'est pas thriller-thriller, je vous expliquerai. On n'est pas vraiment dans le truc thriller glauque. On est dans un truc qui a une trame. Mais on n'est pas dans le truc. Je voudrais un thriller bien, bien glauque. Et puis, j'ai eu envie de sortir celui-là. J'ai envie un peu de m'évader. Un truc de science-fiction, fantasy. Donc, c'est Sous le soleil de cendre de Claire et Robert Belmas. C'est un one-shot. Hein. J'ai envie de lire un peu, de m'évader là-dedans. Donc, on va être au 23e siècle. Hein. Donc, voilà. Dites-moi si, également si vous avez lu un de ces livres. Donc, voilà. Les livres que j'ai sortis de ma palle sont certainement mes prochaines lectures. Il y en aura peut-être d'autres, comme je vous dis, qui viendront s'agglutiner ou, voilà, ou remplacer. Mais voilà pour le topo de mes lectures à venir, mes lectures en cours et mes lectures faites. Hello, je viens vous voir aujourd'hui parce que hier j'ai lu ça. Donc, International Guy, le tome 2, On s'envole pour New York, donc de Audrey Carlan. Cette série, une comédie, ils disent comédie romantique, je dirais plutôt une comédie un peu érotique, hein, en tout cas pour jeune adulte. C'est pas bien méchant. Il y a 12 tomes, hein, donc j'ai les 12, donc j'avais eu ça chez Noz, donc je les lis, c'est pas vraiment mon style d'ailleurs, vous croirez ou pas, mais les passages érotiques, hein, où vraiment les deux sexes sont décrites, je les passe. Voilà. On va me dire quel intérêt de lire ces. Alors déjà parce que je les lis, je les ai chez moi. Voilà. Et en fait, j'aime bien le principe. J'aime bien, il n'y a pas que des scènes comme ça. Heureusement, sinon je n'aurais pas lu. C'est vraiment, voilà, ce type qui fait partie d'International Guy, c'est son entreprise qui s'occupe des jeunes femmes en détresse. Voilà. Et là, il est parti pour New York et il va s'occuper de son fantasme absolu, l'actrice Skyler, je sais pas comment on dit, Paige, qui est en désarroi total, qui a plus envie de rien, qui est en burn-out, voilà. Et il va habiter chez elle.
C'est le contrat pour la remettre sur pied. Voilà. Mais voilà, j'aime bien le concept. Voilà. Donc c'est tout léger, hein, y a rien voilà, à comprendre ça, c'est tout frais. Donc j'ai lu ça hier parce que je me suis dit, on est en février, j'ai pas lu de romance. J'en viens de petite, hein, ça fait 150 pages, hein, c'est pas long. Donc voilà, cette série elle est sympa. Hein, voilà. Alors, niveau film, pendant que je vous tiens, hier j'ai regardé, hier soir, j'ai envie de regarder un film. J'ai mis Netflix et je voulais regarder une comédie. Il y avait rien. En ce moment sur Netflix, il n'y a rien. Pour moi, en comédie. Et donc je me suis dit, tiens, je tombe sur Piranha. Allez, un petit aqua-horreur, il fait 1 h 30, ça a passé vite, c'est un peu kitsch, j'adore ça. Et en fait, j'ai regardé ça en détente et j'aurais pas dû, parce qu'il m'a assez choqué. Le Piranha de Alexandre Aja. Donc, il y a eu le Piranha de John Carpenter de 78, que je n'ai pas vu, que l'original donc. Bon, Aja dit, un maître d'horreur, hein, Alexandre Aja. 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 Quand même, hein, il a fait La Colline des yeux, même le remake. Bon, même si c'est pas mon préféré, je préfère celui-là de Wes Craven, mais c'est un maître de l'horreur quand même. Alexandre Aja dit quand même sur Piranha que c'est pas un remake de l'original de Carpenter. J'ai pas vu l'original donc je peux pas dire. Bon, mais en tout cas, ah ouais, on sent la patte, on sent le talent du mec quoi. C'est pas, j'ai regardé ça comme ça en détente et en fait j'aurais pas dû parce qu'il y a des scènes qui sont très gore en fait. Voilà. Hein? Avant, on se préparait, avant pour regarder un film d'horreur, on mettait déjà les mains devant le visage. Et voilà. Là, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, moi, je regardais des films d'horreur vraiment en mangeant des pop-corn, mais vraiment comme si je regardais une comédie, quoi. Il y a plus rien qui me choque. Voilà. Mais là, ouais, c'était très gore. Il y a plus de gore, c'est plus gore que. C'est pas les dents de la mer, il n'y a pas de suspense en fait. C'est gore. Et les scènes, elles sont géniales. Point de vue réalisation, etc. Il y a une scène qui me fait. Qui m'a. Je m'y attendais pas, et je l'ai encore. Voilà. Il y a une meuf pendant un moment, elle est. Alors ouais, c'est les piranhas hein, qui. Des bancs de poissons, plusieurs poissons, en plus la fin est très bien. Il y a une révélation à la fin. C'est génial. Et des bandes de poissons, voilà, des piranhas coriaces hein, qui déchiquettent, hein, qui bouffent les gens, hein, qui voilà, qui les mangent. Hein. Rien d'extraordinaire jusque-là. Mais les scènes, pendant un moment, je vous dis que ça, hein, il y a une fille qui se fait dans la panique, qui se fait prendre. Donc c'est à la mer, bah forcément c'est à la mer. C'est pendant un spring break, voilà, j'allais dire, qui se fait prendre ses cheveux dans l'hélice d'un bateau. Alors voilà, elle crie, elle crie, elle crie, elle peut pas. Et puis, ouais. Le bateau repart parce qu'il est en panne. Le bateau, dans la panique, le mec qui est sur le bateau, il s'en fout, hein, lui, il veut repartir. Et le moteur, l'hélice repart, quoi. Et puis, bah. Tous ses yeux exorbités comme ça sont partis en arrière. Enfin, bref. Donc, c'était très bien. Et au début, tu vois, ouais. C'est con-con, hein. C'est comme ce à quoi je m'attendais. On parle d'un spring break, vraiment, 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 c'est très sexualisé, hein, voilà. Les femmes nues, c'est vraiment autour de ça. Et puis on part vraiment dans le. Après, c'est du costaud. Ouais, dans son genre aqua-horreur, c'est un très bon film. Merci Alexandre Aja, ça fait longtemps que j'avais pas vu, surtout d'aqua-horreur. On a l'habitude des sharks, des machins, des contre-trucs. Un coup, j'avais vu un film il y a longtemps de ça. C'est très kitsch, hein, ces films-là. J'avais vu un film sur un aqua-horreur. Je sais même plus c'était quoi comme bestiole. Les mecs, ils étaient en hélicoptère. Je m'y attendais pas. J'ai rigolé. En fait, j'étais choquée, mais j'ai rigolé tellement c'était ridicule. Ils vont très loin. Ils étaient en hélicoptère. Je dis, bon, c'est bon, ils sont au-dessus de l'eau, mais bon. Et on est à la place de l'hélicoptère, du mec qui est en hélicoptère, donc il regarde en contrebas. La mer, et surgit une grosse gueule d'une espèce de requin piranha, je sais pas, qui saute comme ça, un méga machin, qui attrape l'hélicoptère, quoi. Qui sort de la mer comme ça, je m'attendais pas, parce que non, ça saute pas aussi haut. Ben voilà, ils ont fait des trucs très ouf là-dedans, et là, franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien, Piranha de Alexandre Aja, il est sur Netflix en ce moment, vous pouvez le regarder. Alors, il est sorti en 2010 en 3D à l'époque, et j'aurais beaucoup aimé le voir en 3D, ça a l'air d'être encore plus impressionnant. C'est très impressionnant, les scènes, etc.
C'est, je crois que c'est débile, mais non. Non, 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 dans son genre, pas du tout. Pas du tout, ça fait vraiment son effet. Par contre, vraiment, on renverse la vapeur. J'ai regardé il y a quelques jours, je vous en ai pas parlé, mais je suis obligée, Massacre à la tronçonneuse 2022 qui est sur Netflix. Par contre, j'ai jamais vu un film d'horreur aussi débile. Voilà, comme ça, voilà, c'est, j'ai résumé le film. Sauf la fin, voilà, je m'y attendais pas et elle est vraiment cool pour les films d'horreur, ça c'est vraiment bien. Mais alors, tout le film, et c'est, voilà, voilà, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors, c'est pas un remake, puisque, un remake du film Massacre à la tronçonneuse, puisque là, les personnages savent ce qui s'est passé, voilà, il s'est passé les événements de Massacre à la tronçonneuse et c'est des personnages d'aujourd'hui qui vont dans une ville fantôme, une espèce de ville fantôme du Texas, donc, où il s'est passé ces événements, mais c'est terminé, hein. Parce qu'ils ont un projet de, voilà, une bande de potes, hein, de jeunes, bon. Ils ont un projet de faire des trucs, je sais pas, de monter un commerce, un truc comme ça. Donc, ils ont dit, cette petite ville fantôme est parfaite pour nos ateliers, les touristes, etc. Et puis, voilà, bah, le mec de la Massacre à la tronçonneuse, il rôde toujours. Mais franchement, c'est débile à souhait. Il y a trop. Mais quand on parle d'invraisemblance, mais là, c'est bien plus d'invraisemblance. C'est. La meuf, elle voit son pote complètement à la gueule déchiquetée. Elle fait: oh non! Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, genre de réaction, voilà. Ok. À la limite, je préférais vraiment les trucs kitsch, mais vraiment parce que d'avant, vintage, les meufs, elles hurlaient, vous savez, des screams, hein, les queen screams, là, les scream queen, qui hurlaient à la mort. C'est vraiment exagéré, mais au moins, c'est un film d'horreur, quoi. C'est ça que tu demandes un peu. Même si c'est un peu kitsch, tu y vas, quoi. Ton pote, la gueule déchiquetée, je pense que c'est la première fois de sa vie qu'elle voit ça. On dirait qu'elle est blasée, fait. Oh non, j'ai pas compris. Voilà, l'autre il déchiquette les gens à tronçonneuse, l'autre ça leur fait rien. Enfin. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous spoil pas parce que je vais pas si vous voulez le regarder, mais bon, vous attendez pas à être surpris parce que c'était débile. J'ai jamais autant ri devant un film d'horreur et moi si je ris devant un film d'horreur, c'est pas bon. Alors, un film d'horreur, ça doit choquer quand même. Un minimum. Même si on est rodé. Voilà, si t'as un espèce d'esprit critique et de recul sur le truc, même si t'es rodé, tu vois quand même comme Piranha d'Alexandre Aja, tu vois quand même le talent du mec, quoi. Et là, j'ai même pas compris comment on a pu faire un film comme ça. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, hein, tout le monde trouve ça nul. Donc, j'ai vraiment pas compris. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Vraiment, voilà. C'est un peu dommage, mais. Voilà, bon. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Et puis, je ne sais pas s'il y aura un autre vlog entre-temps. Mais en tout cas, si ce n'est pas la prochaine vidéo, il me semble que ce sera la prochaine vidéo. Mais si ce n'est pas la prochaine, ce sera celle d'après. Ce sera le petit bilan lecture du mois de février. Je vous avais dit, je ferai un classement. Hein. Voilà, pour pimenter un peu le truc, un top. Alors là, pour le coup, ce sera un top 12. Hein, parce que j'ai lu 12 livres au mois de février, donc voilà. Et puis, bah, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, hein, et puis je vous retrouve bientôt dans une vidéo.